C'est le 11 octobre 2019, à l'Assemblée nationale, qu'a été officiellement lancée l'antenne alumni de l'UTBM en Île-de-France. Invités par Denis Sommer, député de la 3e circonscription du Doubs dans la salle Colbert, les diplômés ont pu assister à une conférence sur l'histoire de l'UTBM et ensuite échanger sur l'avenir de leur école avec Ghislain Montavon. Le corps professoral de l'UTBM nous a transmis tout son savoir pour que nous puissions nous épanouir, nous, professionnellement. Et à présent, il nous appartient bien évidemment de maintenir, je pense, les liens qui nous unissent afin de partager, transmettre, diffuser le savoir que nous avons pu acquérir à travers nos différents cursus et nos différentes expériences professionnelles. C'est pourquoi, avec le concours donc de l'UTBM et de la Fondation UTBM, il nous est apparu opportun aujourd'hui de développer une antenne alumni Île-de-France et que pour construire durablement un réseau alumni, il faut savoir s'investir auprès et avec son école. C'est un établissement avec un réseau d'alumni puissant, important, enfin, c'est une force pour tout le monde, pour les anciens que nous sommes. Mais le fait d'être que les anciens puissent continuer à interagir, c'est extrêmement important dans l'activité quotidienne. C'est important également, pas le cacher, pour l'établissement en lui-même, de pouvoir compter, s'appuyer également sur un réseau d'alumni. Ben, quand on voit la diversité des parcours, des élèves, des anciens élèves de l'UTBM, il y a vraiment de quoi se réjouir. La grande force de cette école d'ingénieurs, c'est aussi les humanités. Ce n'est pas seulement la techno, c'est la place de l'humain, de son histoire, la place de la société, de son évolution et le rôle qu'on peut jouer sur ces évolutions-là. Il faut que vous soyez fiers de ça. Non pas pour rouler les mécaniques, mais parce que vous êtes profondément utile. Voilà, et indispensable à l'évolution de nos sociétés. Merci en tout cas d'être venu jusqu'ici. Après cet échange, un cocktail leur a été offert dans les locaux de l'Assemblée nationale. Nous en avons profité pour leur demander quelle était l'importance d'un réseau d'alumni. Tout d'abord se connaître, parce que d'une promo à une autre, on se connaît pas. Et également de voir en fait l'étendue des possibles qui s'offrent à nous après notre formation d'ingénieur. S'ouvrir sur des possibilités que je connaîtrais peut-être pas. Profiter justement de cette rencontre pour partager sur ton métier, comment tu es arrivé jusque-là et en quoi ton diplôme t'a permis de mettre la première brique, mais comment toi après t'as permis de te construire. Merci. Connecter les étudiants actuellement en formation avec les anciens pour profiter du réseau. C'est intéressant pas que pour le business, c'est aussi de l'entraide, de la bonne humeur. C'est plein de choses, un réseau. L'objectif pour l'UTBM est maintenant de développer ce réseau partout en France et dans le monde.